quand tu arrives dans la vallée du Faranoro, là, c'est hallucinant, quoi. Ces falaises, elles sont gigantesques. Le coin, c'est fantastique. J'étais complètement scotché. On a réussi à trouver une ligne de faiblesse dans cette muraille impressionnante. C'est vraiment une paroi lisse pendant 400 mètres. Et la première fois que je suis descendu en rappel, ça m'a presque coupé le souffle, quoi. Longueurs, il y en a une en 7B, une en 7C, et puis sinon elles sont toutes dans le 8. Sur une grande paroi comme ça, là, qui fait 400 mètres, c'est le 8 de plus ou le 8C, c'est vraiment dur. C'est assez. Ça fait des grands pans lisses comme ça, et puis plein de petites réglettes. C'est une voie très dure, voire trop dure. Et c'est vertical, très 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 technique, à doigts, boutant, du très beau rocher. Voilà. Ah, vas-y, prends-moi ! Allez, Greg, allez ! Ouais ! Le but est de faire chaque longueur intrinsèquement et de pouvoir dire ben, oui, chaque longueur est possible, donc un jour la voie sera possible entière. C'est le bizarre des pieds, quoi. Alors, le faire un jour d'une seule traite, aligner 4 ou 5 longueurs en 8 plus fixé, c'est quand même dur. La longueur du toit, c'est une longueur que je trouve extraordinaire au niveau de la gestuelle. Après, elle est complexe à grimper, c'est très lisse dessous. Il y a quelques prises au-dessus, dans le toit, donc pour trouver les méthodes, c'était bien classe. On a nommé Gecko l'avant-dernière, 60 mètres de conti sur des micro-prises. Rien que la ligne, quand tu regardes ça, c'est hallucinant. Gecko, c'est un grand voyage et enfin, c'est un peu surhumain, je trouve, mais bon. C'est un effort mental au niveau de la concentration, de la précision, de la souffrance. Gros plan à se mettre, alors faut rester très concentré quand même. Ah putain! T'es tombé où là en fait? Je suis tombé avec un plat.